peut pas continuer simplement à pleurnicher sur la société qui va mal. Pour ceux qui ne connaissent pas la légende sur laquelle je me suis fondé, c'est une légende amérindienne qui dit qu'un jour, il y a eu un grand incendie de forêt. Tous les animaux étaient là, découragés. Et puis, il y a ce petit oiseau qu'on appelle le colibri avec son long bec, là. Et lui, il va chercher quelques gouttes d'eau, il les jette sur le feu. Le tatou qui le regarde depuis un moment, il dit « Ridicule, quoi. Colibri, tu penses quand même pas que c'est avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?» Et le colibri le regarde droit en face, il dit « Je le sais, mais je fais ma part. » Voilà, je fais ma part. Je peux faire ça, je fais ça, je fais, mais je fais. Et si je ne fais pas, évidemment, je laisse le plein pouvoir à tout ce qui domine cette société humaine de l'orienter, de l'organiser à sa convenance. La seule façon d'échapper à cela, c'est l'autonomie. À partir du moment où je fais tout pour suffire à mes besoins par moi-même et que je ne suis pas dépendant, à partir de ce moment-là, je suis en train de construire une société différente.